Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page de remerciement. Donc en théorie, la page de remerciement, elle arrive tout à la fin de votre tunnel de vente. Voilà, donc pour créer une page de remerciement, vous allez cliquer sur « Ajouter une nouvelle étape » et vous sélectionnez « Page de remerciement ». Une fois que vous avez sélectionné « Page de remerciement », vous allez choisir dans la bibliothèque, au niveau des merci, la page qui vous correspond le plus. Bon, moi j'ai déjà créé ma page, donc on va tout de suite aller dessus puisque cette page, elle est ici. Cette page de remerciement, elle a un double intérêt. Déjà, elle permet de pouvoir créer un lien avec votre communauté. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir lui donner une information spécifique, le ramener sur vos réseaux sociaux, sur votre page YouTube, si vous avez créé une chaîne YouTube. Bref, elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle peut continuer le process du tunnel de vente. Vous voyez ici, si on garde la logique de j'ai présenté un bien, potentiellement c'est un acquéreur, mais moi ce qui va m'intéresser au bout du process, c'est de vérifier si cette personne-là n'est pas propriétaire. Donc en gros, quand je vais le remercier, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais lui dire attention, ne partez pas. Si vous êtes propriétaire, je viens de finaliser une offre liée par exemple au homestaging. Donc je vais marquer trois petits points parce que vous mettez ce que vous voulez. La personne, si elle est propriétaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir la curiosité de cliquer. Et en cliquant, ça va la ramener sur la suite du tunnel qui s'appelle donc le homestaging. Et là, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'au départ, vous êtes potentiellement en train d'attirer un acquéreur pour qu'il aille faire la visite de votre bien. Et en parallèle, vous êtes en train de qualifier cet acquéreur, peut-être comme propriétaire, avec un service spécifique. Et donc de déclencher aussi la vente d'une offre de service ou encore de qualifier une estimation potentielle juste après la visite de ce bien.